Je me rappelle, j'ai assisté à une conférence où l'un des conférenciers disait entreprendre, c'est entrer et prendre. D'accord, que c'est entrer et prendre. J'avais trouvé ça bizarre. J'ai dit, ah ouais, lui c'est intelligent, il est génial et tout. Mais il a raison. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Mais lorsque tu veux entrer, assure-toi d'entrer avec une solution à un problème qui est à l'intérieur. Toi, tu apportes la solution, tu règles le problème et tu sors avec la reconnaissance, l'argent et tout le reste. C'est comme ça. Lorsque vous avez une idée d'entreprise, demandez-vous d'abord quel est le problème spécifique que cette idée-là règle en fait. Vous comprenez? Donc pour entreprendre d'abord, il faut que vous arriviez à remarquer, à détecter un besoin, un problème de votre entourage, de la société, voilà, à laquelle vous prenez corps. Vous faites corps sur moi et après vous cherchez la solution à ce problème-là. Maintenant, lorsqu'il y a déjà la solution sur le terrain, vous pouvez toujours améliorer cette solution-là. Vous comprenez? Donc il y a ce concept de produit nouveau et nouveau produit sur le marché. Bon, voilà, ça c'est encore une autre chose, mais c'est comme ça. Détectez d'abord le problème et apportez-y la solution et vous allez réussir dans votre entreprise. C'est comme ça. Maintenant, quand il s'agit des projets informatiques au Bénin, c'est moi, je voulais parler de ça, c'est pareil. Ne regardez plus les alibis comme la chute de la connexion, le niveau intellectuel de la population, voilà, qu'on appelle ça même. On dit que nous sommes en majorité analphabètes au Bénin et tout ça. Vous ne pouvez pas regarder ça et ne pas vous lancer dans des projets informatiques. OK? Ça n'a pas de sens. Lorsque votre projet informatique résout un problème spécifique donné, ça va marcher. Ça va marcher. D'accord? Et il y a une règle. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous voulez le faire exactement comme ceux qui le faisaient déjà sur le marché, abandonnez. D'accord? Lorsque vous voulez le faire exactement comme ceux qui sont déjà sur le marché, il faut mieux abandonner. S'il y a déjà la solution sur le marché, améliorer la solution et continuer. C'est comme ça quoi. Donc, il faut que vous arriviez d'abord à détecter un problème, le régler et voilà. D'accord? Et ne cherchez plus les alibis pour ne pas lancer un projet informatique. Parce que nous sommes limités au Bénin. Les projets informatiques au Bénin sont grave limités et ça veut faire quelque chose. Parce que la plupart de nos investisseurs demandent d'abord les projets informatiques avant de pencher dans les autres domaines. Okay, donc, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que vous réfléchissiez et que vous, voilà, vous apportez des solutions surtout informatiques. Merci.